Carrie Boyd maintenant. Son deuxième coup sur le trou numéro 13. Il reste encore une sacrée distance. Pas plus de 180 mètres. Oui, faire 5 en main, c'est quand même en descente. Ouais, c'est un petit peu long, ouais. Là. Il s'est trompé sans doute d'un club, Gary Boyd. En tout cas, cette balle a giclé une fois qu'elle est arrivée sur le green. Oui, beaucoup d'un. Autour de Julien Guerrier maintenant, qui joue donc en compagnie de Gary Boyd sur le trou numéro 13. Deuxième coup, grosse mise en jeu. Oui, ils ont encore, vous avez vu, encore un gros dénivelé. Le vent aide. Et justement, tiens, vous parliez du vent, ouais. Michel, regardez. Il se pose des questions, Julien Guerrier. Il se pose des questions pour savoir s'il n'est pas un peu latéral également. Et après, il se reprend certainement sur sa première impression, qui est souvent la bonne d'ailleurs. Ou bien frappé. Ça a l'air bien parti. Direction de la tour de télé. Ou un peu plus tenu. Ouais, enfin, ça reste, voilà. Ça s'immobilise. C'est un bon coup là de Julien Guerrier qui va avoir une vraie possibilité de birdie derrière. Et justement, tiens Michel, on va comparer un petit peu les deux swings, Gary Boyd et Julien Guerrier, deux swings assez modernes. Oui, en tout cas, deux swings, voilà, à droite Gary Boyd, beaucoup plus penché, les épaules sont beaucoup plus en avant des genoux, posture également superbe à gauche, à mi-backswing, Julien Guerrier a beaucoup plus armé dans le plan son club, fin du geste parfaitement équilibré pour les deux swings, et on va voir la zone critique de descente, par la poche droite, les bras vont se placer, les hanches vont s'effacer et on voit ici que Julien efface beaucoup plus les hanches à gauche. À l'impact, le genou de Boyd sort beaucoup plus vers l'extérieur, ce qui confirme, voilà, le finish de Julien Guerrier est plus tenu, c'est pour ça que la balle s'est arrêtée, beaucoup plus enveloppée à droite pour Gary Boyd. Voilà, deux swings absolument fantastiques tout de même, de cette jeune génération de golfeurs. Et on voit bien que, bon, tant pis, pour les, on n'est plus sur les images, mais on comprend pourquoi avec les deux finishes, les balles sont plus ou moins tenues en fait sur les greens.